Salut les Benjamin Minimes, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. En complément des séances d'entraînement que vous a proposé Johan, je vais vous proposer 4 séances d'entraînement de façon à ce que vous puissiez rester en forme et progresser pendant ce mois de confinement. La première séance, ça sera une séance de souplesse. La souplesse est très importante à votre âge car vous êtes en pleine croissance et vos os grandissent plus vite que vos muscles. Du coup, on va chercher à étirer les muscles de façon à éviter toutes les petites gênes, tous les petits bobos que vous pouvez avoir généralement au niveau des articulations, des genoux, du dos, etc. En plus, ça va vous permettre d'avoir une plus grande amplitude de mouvement et si vos muscles sont suffisamment élastiques, vous allez avoir un meilleur renvoi et du coup, vous serez plus performant. On commence de suite avec un petit échauffement de façon à mettre les muscles de notre corps sous tension, créer de la chaleur et faire en sorte de pouvoir mieux s'étirer ensuite dans la suite de la séance. On va commencer avec le premier exercice. Ça va être 3 exercices que vous allez devoir enchaîner. Vous allez devoir enchaîner et reproduire 3 fois au total. Le premier exercice, on a les pieds largeur du bassin et pour mettre en tension les mollets, on va chercher tout simplement à monter sur les pointes de pied. Donc 15 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On enchaîne avec le deuxième exercice. On écarte les pieds un peu plus larges que la largeur des hanches, donc largeur d'épaule. On rentre le nombril, on serre les abdos, on inspire, on se grandit. On éloigne les épaules de nos oreilles, on resserre les omoplates en arrière pour mettre les muscles du dos en tension. Et maintenant, on va mettre les muscles des cuisses en tension, donc on inspire. Et on va pousser le bassin vers l'arrière et vers le bas. Et on tient la position pendant 15 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On expire et on relâche. Et le troisième exercice de cette série, on va se mettre au sol, à genoux, face au sol, les mains écartées un peu plus larges que la largeur des épaules. On rentre le nombril, on serre les abdos, on contracte légèrement les fessiers et on va amener la poitrine entre les mains. Donc on va mettre les muscles de la poitrine et des triceps en tension. On descend, on s'arrête à mi-chemin et on maintient la position pendant 15 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et on repousse. On revient ensuite se mettre debout pour enchaîner une nouvelle série, puis une troisième série pour terminer l'échauffement. On va maintenant passer à la suite de la séance avec les étirements. Donc tous les exercices que vous allez devoir faire, une fois que vous serez dans la bonne position, vous allez devoir les faire 2 fois pendant 45 secondes. On va commencer par le bas du corps et on terminera par le haut du corps pour terminer la séance avec un petit retour au calme. On commence pied largeur de bassin. On va chercher à reculer un pied loin derrière, les 2 pointes de pied dans la même direction. On va chercher à écraser le talon arrière dans le sol. Je me mets de profil de façon à ce que vous puissiez mieux voir. Donc le talon arrière bien écrasé dans le sol, la jambe est bien tendue. On va pousser le bassin en avant, incliner le buste vers l'avant de façon à avoir épaules, bassin, genoux et chevilles alignés et ressentir l'étirement au niveau des mollets. 45 secondes à la position. Une fois que j'ai terminé les 45 secondes, je me redresse et je fais la même chose de l'autre côté. Et ensuite, une fois que j'ai terminé l'autre côté, je refais une fois de chaque côté de façon à ce que ça fasse 2 fois 45 secondes de chaque côté. J'enchaîne avec l'exercice suivant pour étirer l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Donc, pied largeur du bassin, je fléchis légèrement les genoux. J'allonge une jambe, le talon au sol. Je vais chercher à tirer les orteils vers moi, pousser le bassin vers l'arrière et vers le bas, incliner le buste vers l'avant en gardant la colonne vertébrale allongée. Et je maintiens la position pendant 45 secondes. Une fois les 45 secondes terminées, je me redresse et je fais la même chose de l'autre côté.
et je reproduis l'opération une fois de chaque côté. Ensuite, je passe à l'avant des cuisses, les quadriceps. Je me tiens en équilibre sur un pied ou alors je me tiens sur un meuble, sur une chaise, ce que vous voulez. J'attrape une cheville dans la main, le talon proche de la fesse. Je contracte la fesse de ma jambe qui est fléchie de façon à pousser le bassin en avant et ressentir l'étirement sur l'avant de la cuisse. Si je suis à l'aise dans cette position, ce que je peux faire, c'est en gardant les épaules au-dessus du bassin et le talon proche de la fesse, emmener le genou légèrement vers l'arrière pour avoir un peu plus de sensation d'étirement. 45 secondes d'étirement d'un côté, je relâche, je fais la même chose de l'autre côté et je reproduis l'opération une fois de plus de chaque côté. Pour la suite, je vais passer au sol pour étirer le psoas. D'accord ? Je pose mon genou au sol, un pied loin devant, j'allonge les orteils de ma jambe arrière et je vais chercher à pousser le bassin en avant dans un premier temps. Peut-être que je ressens déjà la sensation d'étirement sur l'avant de ma hanche, ici au niveau de l'aine. Je vais allonger un bras au-dessus de la tête, chercher à me grandir et incliner légèrement le buste vers l'avant. Je pense toujours à bien contracter la fesse de la jambe qui est derrière. 45 secondes dans la position, une fois que j'ai terminé, je relâche, je fais la même chose de l'autre côté, d'accord ? Et je reproduis l'opération une fois de chaque côté. Ensuite, une fois que j'ai terminé le psoas, je viens m'asseoir, allonger mes deux jambes au sol, je fléchis un genou, je passe le pied de l'autre côté de la jambe qui est allongée. Avec le bras opposé, je viens enlacer mon genou. Avec la main qui est libre, je la mets au sol pour chercher à me grandir, allonger la colonne vertébrale. Je tire le genou vers la poitrine et je tourne le regard à l'opposé de mon genou de façon à créer une torsion dans la colonne vertébrale et avoir plus de sensations d'étirement au niveau du fessier. 45 secondes dans la position, je relâche et je fais la même chose de l'autre côté, je reproduis l'opération une fois de chaque côté. Ensuite, je me remets debout et je vais étirer maintenant les petits muscles du haut de mon corps. Donc on a terminé le bas du corps, on va faire le haut du corps. On va commencer par les biceps, l'avant du bras. D'accord. Donc, pied largeur de bassin, je vais croiser les mains dans le dos. J'allonge mes bras, donc les bras sont bien tendus. Je garde les épaules au-dessus du bassin, nombril rentré, ventre serré. Je vais chercher à éloigner les mains de mon bassin de façon à ressentir l'étirement au niveau des biceps tout en conservant la posture. 45 secondes dans la position, je relâche lentement, je prends une petite récupération et je reproduis l'opération une fois de plus. Donc 2 fois 45 secondes dans la position. Maintenant, étirer les triceps, l'arrière du bras. J'allonge un bras au-dessus de la tête, je fléchis le coude. Avec mon autre main, je mets sur le coude, j'appuie légèrement pour faire glisser la main entre les omoplates. 45 secondes dans la position. Je relâche lentement et je fais la même chose de l'autre côté. Je reproduis l'opération une fois de plus de chaque côté. Ensuite, je vais étirer le muscle des épaules. Donc, je vais croiser un bras devant la poitrine, paume de main en direction du sol. Mon épaule loin de mon oreille, je resserre mes omoplates. Avec mon autre main, j'attrape au niveau de mon coude et je vais tirer en direction à la fois de ma poitrine et sur le côté pour ressentir l'étirement ici au niveau de l'épaule. 45 secondes dans la position, je relâche, je fais la même chose de l'autre côté. Et je reproduis l'opération une fois de plus de chaque côté. Ensuite, pied largeur de bassin, je fléchis légèrement les genoux. Je vais chercher à m'enlacer, attraper le plus loin possible les mains dans mon dos. Donc, je vais chercher dans cet exercice à éloigner les omoplates l'une de l'autre. Donc, les genoux légèrement fléchis, je vais rentrer le menton, diriger mes coudes en direction de mon nombril pour étirer au niveau du haut de mon dos, donc entre les omoplates, des muscles qui s'appellent les rhomboïdes. Une fois que j'ai terminé les 45 secondes, je me redresse, je relâche, je prends une petite récupération et je reproduis l'exercice une fois de plus. Les exercices debout sont terminés, maintenant passez au sol. Donc je me mets à genoux, les fesses proches des talons, et je vais chercher à allonger mes bras le plus loin possible devant moi en gardant les fesses le plus proche possible de mes talons. Ensuite, rapidement, je me dirige d'un côté. Donc les deux mains d'un côté, les deux bras bien tendus,
45 secondes dans la position, je dois ressentir l'étirement de ce côté-ci. Une fois que les 45 secondes sont terminées, je reviens au centre et je me déplace de l'autre côté. À nouveau 45 secondes. Une fois que les 45 secondes sont terminées des deux côtés, je reviens au centre, je me redresse, je prends une petite récupération de façon à laisser respirer un petit peu les hanches et je reproduis l'exercice une fois 45 secondes de nouveau de chaque côté. Donc ici, on cherchait à étirer les muscles du dos toujours, le grand dorsal. Ensuite, je vais chercher à étirer les muscles de la poitrine. Donc, je vais m'allonger à plat ventre au sol. Un coude fléchi à 90 degrés, le coude légèrement en dessous du niveau de mon épaule. Je le pose bien à plat, je pose mon épaule au sol. Et avec mon autre main que je vais placer à côté de mon épaule, je vais chercher à repousser le sol de façon à faire pivoter mon corps et ressentir l'étirement au niveau des muscles de ma poitrine. 45 secondes d'un côté, une fois que les 45 secondes sont terminées, je relâche et j'inverse. L'autre coude à 90 degrés, l'autre main à côté de mon épaule et je repousse le sol pour ressentir l'étirement au niveau de la poitrine du côté le plus proche du sol. Je relâche et je refais une fois de plus l'exercice de chaque côté, 45 secondes, 45 secondes. Dernier exercice, je m'allonge sur le dos, je rapproche mes genoux de ma poitrine, j'ouvre les bras en croix, je laisse basculer mes genoux d'un côté, le regard de l'autre côté, les deux épaules sont en contact avec le sol. Avec ma main qui est du côté des genoux, je viens appuyer légèrement sur la jambe qui est au-dessus de façon à ressentir tous les petits muscles autour de la colonne vertébrale qui s'étirent. Une fois que les 45 secondes sont terminées, je reviens au centre, un genou puis l'autre, et je fais la même chose de l'autre côté. Une fois les 45 secondes de chaque côté terminées, je reproduis l'opération une fois de plus, de façon à faire deux fois 45 secondes de chaque côté. Et ma séance est terminée. Je vais maintenant faire un petit retour au calme. Donc, ce que je vous propose, si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation, c'est de faire un moment de relaxation, 10 minutes, donc, où vous allez chercher à vous allonger sur le dos, les jambes bien allongées ou les genoux fléchis, comme vous vous sentez à l'aise, les bras allongés, et de vous mettre une petite musique zen, une petite musique douce, de façon à vous détendre, penser à des choses agréables, des choses qui vous font du bien, et la séance est terminée. Voilà.